shadow grows on the wall behind. Salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. Aujourd'hui, je vous présente sur Made in Japan TV une figurine représentant le héros qui deviendra très certainement un jour le number one, Izuku Midoriya. Banpresto nous propose le héros de la licence My Hero Academia dans une pose dynamique. Ce n'est pas leur première figurine de Izuku, mais clairement, l'ancienne est moins bien, c'est celle-ci là. Petite parenthèse niveau figurine de My Hero Academia, en ce moment les fabricants se lâchent, on est servi et ça fait plaisir. Bon, c'est parti pour l'unboxing. Voilà, alors je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Alors attention, elle n'est pas sans défaut, et j'y reviendrai juste après, mais dans l'ensemble, on a quand même quelque chose de très classe.
On a un Izuku légèrement dans les airs qui va asséner un bon gros coup de poing. Il a les dents serrées, le regard déterminé, c'est beau. La sculpture et la dynamique, il n'y a rien à redire. En revanche, j'ai un petit souci avec la couleur du visage qui tire, je trouve, trop vers le jaune. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est pas hyper naturel. Bon, bien sûr, ce n'est qu'un détail qui personnellement ne m'a pas empêché de la prendre pour ma collection, mais ça peut freiner certaines personnes. Ensuite, comme je le dis à chaque fois que je présente une Banpresto, le socle n'est vraiment pas très classe. Mais malgré ces deux défauts, elle reste à mes yeux pour le moment la plus belle figurine de Izuku sortie à ce jour. Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut !